est en danger, hein, je vous le dis. Donc la responsabilité maintenant, c'est de vous engager vraiment dans le truc, avoir du plaisir, proposer des choses. Sherlock Holmes, c'est absolument génial, il y a du réalisme qui est passionnant. Il faut juste comprendre et vous poser la question très conne, qu'est-ce que je fous dans cette scène? Moi, mon idée en tant que metteur en scène était de le mettre en action. Donc c'est vrai que Holmes nous permettait ça, ce que Hercule Poirot n'aurait pas permis. T'es pas hyper sérieux en disant elle va mourir, tu vois? Attention, Gerald. Et puis très rapidement, s'est imposée l'idée de nous éloigner du Sherlock Holmes du cinéma tel qu'on l'a pratiqué jusqu'à récemment. De ce Holmes très posé, très flegmatique, presque une semi-divinité qui voit tout, qui anticipe tout. Ah, Sherlock Holmes, c'est un personnage qui peut tout se permettre, qui est fou, qui est triste, qui est heureux. C'est un bon vivant, mais à la fois dépressif. Et il porte toutes les couleurs de l'humanité en lui. Une des choses qui m'a le moins posé de problème cette année, c'est de pouvoir tout donner, presque cabotiner, vraiment aller dans l'exagération totale. Le metteur en scène, Yves Loutan, me recadrait. Pour rendre vivant un jeu d'acteur de ce type-là, ça nécessite d'essayer d'être le plus réaliste possible par rapport à une situation. Donc ça nécessite franchement beaucoup de travail en préalable et de répétition. En fin de compte, c'est énormément de temps. Il fallait écrire la pièce, puisqu'on ne pouvait pas se baser sur la pièce existante, celle de William Gillett, qui avait été jouée en 1905 aux États-Unis avec l'accord de Sir Arthur Conan Doyle, qui, lui, ne pouvait plus voir son personnage en peinture, qui avait tenté de le faire mourir, mais n'y avait pas réussi, parce que ses fans voulaient absolument de nouvelles aventures de Sherlock Holmes. Ensemble, nous construisons, en fin de compte, la trame, en confrontant le texte directement à une lecture, à des comédiens qui vont le jouer. Et dans le vivant, en fin de compte, on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Après, ça devient difficile, parce que des fois, ce que Jacques, il pense, c'est pas la même chose que Yves, il pense, donc il faut un peu jongler entre eux, et au final, de toute façon, la réponse, c'est toujours la même, c'est à toi d'essayer de représenter ce que toi, tu vois dans ton personnage. Et ça, c'est magique. Cet instant où l'acteur se saisit du texte et en fait ce qu'il a au fond des tripes, c'est un instant magique. Et je pense que ce serait pas la même chose si j'écrivais pour des acteurs que je connais pas. On constitue les personnages par couches. Donc il y a une première couche qui est celle, en tout cas pour moi, c'est celle du corps en fait, d'une démarche, d'un accent peut-être, ou d'une manière d'être. Je suis partie vraiment beaucoup trop confiante. Puis après je me suis éclatée la gueule, mais c'est passé par du surjeu, c'est passé par trop de réalisme, c'est passé par pas de jeu du tout. Donc pour Gabriel c'était quand même très... un rôle très humain, mais dramatique, donc il fallait faire attention de ne pas tomber dans le pathos aussi, d'éviter de partir dans les... Quand on reçoit un personnage, la première chose qu'on a, c'est un préjugé sur lui. Et le problème, c'est que si on s'arrête à ça, on est en général à l'ouest, parce que ce préjugé, il est souvent issu de notre volonté d'être à notre avantage, de faire bien. Yves m'a redirigé complètement, il m'a dit non, toi t'es pas sérieux du tout. Il m'a donné comme inspiration l'inspecteur de Adèle Blanc-Sec, c'était un personnage qui était très bougon. Franchement au début on avait l'impression que je portais des carottes ou j'en sais rien ce que je faisais, puis j'y croyais pas, moi non plus déjà j'ai peur des armes. C'est un mouvement de levier viril. J'ai jamais tenu une arme vraiment, dans les mains, une vraie arme. Du coup, j'ai été tirée avec ma sœur le jour avant la présentation pour essayer de voir ce que ça faisait avec un vrai pistolet. Et puis là, ça m'a donné aussi pas mal de peps. Le rôle de Moriarty, pour moi, est parti au début sur une blague où il m'a dit « Ah, prends l'impro de Moriarty ». J'étais là, ouais, trop marrant, voilà, parce que j'ai peut-être pas la gueule du méchant comme ça, et qu'il fallait passer de la gueule du Mickey à la gueule du méchant. C'est pas forcément évident, parce qu'on n'a pas forcément envie de trucider des gens dans la vie de tous les jours. Pour arriver à ce côté, en fait, qui fait froid dans le dos au public, sans avoir l'air de Ronald McDonald au milieu de la scène, c'est très très compliqué parce que déjà il faut se faire confiance. Les premières fois c'était ridicule, on pouvait pas y croire, c'était pas possible. Donc il a fallu trouver finalement au fond de soi-même, réussir, c'est ça en fait, à être véritablement le personnage, à croire vraiment à ce qu'on fait. Même si c'est un théoriste et puis qu'on a du mal à le comprendre,
on essaie quand même de rentrer dans sa logique et se dire que, ah, effectivement, il fait pas ça peut-être pour rien. C'est radical comme il fait, mais c'est que c'est... ouais, c'est un appel au secours. Naturellement, Sherlock Holmes n'a pas été un long chemin tranquille. C'est aussi jamais facile de fédérer tout le monde avec la même motivation autour d'un projet sur une année. Que tout le monde se sente impliqué dans les répétitions, surtout quand les gens y jouent pas pendant 3 semaines peut-être. Parce qu'on est sur une scène ou sur une série de scènes extrêmement importantes, on travaille sur des personnages principaux, puis on n'a pas le temps de travailler les autres, ben on est là, on attend pendant 3 heures. Globalement, de 20h à 23h, on est assis, on regarde. Et je me suis toujours dit, t'as pas le droit de te laisser aller. Je faisais vraiment en sorte de tout donner, tout donner, tout donner. Si Sherlock était pas présent au niveau de l'énergie, c'est foiré. Et à la fin de la journée, j'étais vide. J'avais plus rien, j'avais plus d'énergie, mais ça me faisait du bien. Pour moi, là, la scène finale, c'était vraiment un travail sur moi. Je vous demande de vous boucher les oreilles, s'il vous plaît. Mais j'aime pas ça, vraiment pas. J'ai une expérience personnelle avec une arme qui n'était pas forcément facile. Je ferme les yeux, je peux pas raconter. Irène, vous n'avez pas obligé d'être habitué maintenant, c'est normal. Vous allez avoir un bon, non, mais avance pas. Ok, vas-y. Je sais pas trop comment réagir parce que ça fait hyper bizarre de regarder droit dans l'arme. C'était horrible. Mais je sais qu'il m'aime. J'ai le cœur qui bat un peu vite. Ok, une fois, vas-y. Encore. C'est la roulette russe en fait. Encore une fois, vas-y. Ah, oh, mais c'est encore pire parce vas-y. Que tu sais jamais comment ça va venir. C'est un truc de psychopathe en fait. Une balle, ça fait exactement le même bruit. Sauf que ça fait un petit peu plus mal. Donc le moment de cette mort avec Irena, pour moi, est un moment des plus beaux parce que ça montre l'humain en fait que nous sommes. Nous vivons avec le bonheur autour de nous, on ne voit pas. Et pour moi, c'est révélateur en fin de compte d'aussi ce qu'on vit, c'est qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a autour de nous. Et Holmes, à ce moment-là, il devient nous. Il vient à ce moment, on se dit, mais non, c'est pas possible que ce bonheur lui échappe. Et malheureusement, oui, ça va lui échapper. Mais en même temps, ça va lui faire réagir et le faire se décider, en fin de compte, à prendre ses vraies responsabilités. Il a fallu qu'on trouve les costumes, donc on aille à Berne plusieurs fois, qu'on repère, qu'on fasse des essayages. Donc on est, ouais, je pense, sur un total de 60-70 costumes en tout. Le principe de la conception du costume, c'est d'arriver à une harmonie scénique, à une harmonie de couleurs. Les costumes, ça signifie aussi tous les accessoires pour, de la tête aux pieds. Des personnes qui avaient 5 ou 6 rôles différents, qui devaient des fois changer très rapidement, donc il a fallu qu'on trouve des solutions. Je sors vite pour vite me changer, j'ai 30 secondes pour me changer en garde du corps de Moriarty. Après j'avais une demi-scène pour me changer en légiste, sauf qu'en fait sous la légiste j'étais encore aux prostituées, ben, je n'avais pas le temps de me changer, donc corset, porte-jartel, tout fin fin. Chaque geste à ce moment-là est étudié. Est-ce qu'on enlève la cravate en premier ou est-ce qu'on enlève les chaussures? Qu'est-ce qui nous fait perdre le moins de temps? J'étais aussi en gitane, donc sous gitane j'étais encore en prostituée parce qu'il n'y avait toujours pas le temps de se changer. Et d'un coup ça fait... Il y a tout qui vole, il y a tout qui gicle. Je me suis jamais retrouvée en sous-vêtements si rapidement. On n'a même pas le temps de dire ouf, on est en costume, là, notre costume, on doit intégrer un nouveau personnage. Et comme au coup de sifflet, dès que j'arrive sur scène, je suis l'autre personnage. Donc je suis obligé de mettre mon cerveau sur off. Pour les décors, ce qui a été fait principalement cette année, c'est les rampes. Parce qu'on a surélevé le fond de scène de 1m20. Il faut vraiment les ajuster presque au millimètre près, parce que sinon ça ne fonctionne pas. On voit des espaces entre les rampes et tout, donc ça a été très compliqué à mettre en place. Et puis on a créé des sortes de skateboards avec des paravents qui créaient des espaces. Et c'était assez intéressant, je trouvais, de créer des espaces qui laissaient suggérer au public ce qu'ils voulaient, en fait. Pour Gabriel, de nouveau, j'ai créé, par exemple, le détonateur, qui est une grande boîte comme ça, avec un bouton poussoir. Assez cliché, mais qui est assez sympa. Si on part avec des décors minimalistes, qu'il fallait que le cinéma soit à la hauteur pour pouvoir emporter le public et leur faire croire qu'ils n'étaient plus à Gambart, mais qu'ils étaient à travers l'Europe, à la poursuite de Moriarty avec Sherlock Holmes. Alors, en théorie, c'est magnifique, ça sonne très bien. En pratique,
Comment on fait ça? Par contre, il va falloir que les informations passent et que tout le monde soit à la bonne place au bon moment. Pour un tournage 2018, Funambule. Les choses s'installent gentiment, on est un petit peu stressé. On va commencer à installer le camp des gitans. Et du sucre, s'il te plaît. Alors là, bah, on est gentiment bien installé. La paille vient d'arriver, le camp est en train d'être monté. Et puis, bah, les acteurs sont en maquillage. On est dans les temps, ce qui est une bonne chose quand on démarre la journée. Parfois, on est plus en retard. Donc, concentrez-vous sur votre rôle proposé. Il faut vivre, il faut... Sans ça, ça ne marchera pas. Vous êtes 5 acteurs principaux dans cette pièce-là. Il y en a un qui est mauvais, ça ne marche pas. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Scène 1, plan B, prise 3. Bon, allez, dépêchez-vous. Voilà. On a deux, ça peut être, ouais, ça peut être sympa. Je suis sûr que s'il est par terre, s'il écoute, on peut les voir eux marcher au fond, en feu, tu vois. Et quel, si on fait un plan, tu vois, quand ils écoutent par terre. Je viens d'avoir un imprévu qui fait plaisir, on aura des chèvres et des poules sur le bateau. S'il vous plaît, j'ai besoin de silence parce que le cheval est sensible, donc évitez de batailler pour rien dire. Ce travelling est très très important parce que c'est un travelling continu qui va s'arrêter avec de la vie pendant 4 minutes dans le camp. On y va. On est près de Thun, à Thun même. C'est là qu'on va faire la deuxième journée de tournage. Ah, ça lance ensoleillé, puis au taquet du travelling grenin. Et c'est le moment où c'est le gros bordel. Parce que si vous regardez sur le bord de la rive, il y a des canoës, il y a des nageurs, il y a des promeneurs, il y a des bateaux, et je ne fais pas police fluviale. Donc là, maintenant, ça va devenir chaud. Mais vraiment très, très chaud. Oui, une mission urgente. Ouais. Il y a un bateau qui va repartir dans le canal. T'inquiète pas, on attend le soleil. On attend la lumière, parce qu'on a plus de lumière, et on va tout tourner avec la lumière. On peut pas s'arrêter. Oui, mais parce qu'on allait s'arrêter. Non. On n'a même pas la scène de fin. Donc, ah, ça te va comme ça, Gaëtan? Restez concentrés, on a besoin de ces images. Hein. Coupé. C'est qui était sur Emile avec le réflecteur? Personne. Voilà, justement, allez, on fait vite. En fait, ça. 10 secondes. Attention. Restez en place, attention. Action! Pour l'instant, les preuves que tu avances sont plutôt minces, avoue-le. Je sais que c'est lui, Maki. Je le sais, c'est tout. Certes. Et moi, je dis au Premier ministre, mon frère pense que Moriarty est le plus grand criminel de l'histoire. Nickel, lumière, nickel, son, je sais pas. Son, c'était magnifique. C'était impossible de prendre le son sur le plateau. Il y avait des bateaux à moteur, mais qui n'ont rien à voir avec cette époque. Plein de bruit, des enfants qui criaient, il y avait n'importe quoi, et il a fallu tout doubler, quoi. Charlie, que comptes-tu faire exactement?
les met en condition pour qu'ils puissent de nouveau être dans leur personnage. Parce qu'ils sont, vraiment seuls face au micro, ils peuvent fermer les yeux, ils peuvent vraiment se lâcher. Il n'y a pas de jugement au niveau du mouvement. Là, on fait tous les doublages, justement. Aujourd'hui, on a Harry. Et on est déjà, je pense, 2h30 d'enregistrement. Garçon, une bouteille de whisky pour péter ça. Yaha! Mais là, vous dépassez les bornes, Holmes. Qu'est-ce qui vous a pris? Elle a été empoisonnée. Je le sais, Watson! Alors le bateau, ça c'était un sacré défi, parce que déjà d'une part il fallait être extrêmement tôt sur place à Neuchâtel, et puis le bateau était certes à notre disposition pour tourner, mais il ne nous était pas réservé intégralement, donc il faisait sa tournée normale. Quand on revient comme ça, on va tourner à l'arrêt, donc où ils sont maintenant. Il y a tous les raccords soleil qu'il faut prévoir, et à quelle partie du bateau on filme, parce que si on filme à l'arrière, on a la ville de Neuchâtel qui est moderne dans le champ. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier, parce que je dois aller faire des plans drone. Avant le tournage, on a galéré pour trouver le bateau. Il y a Jacques de notebook qui était sur le bateau qui nous disait à la radio « Non, mais on est au milieu du lac. » Puis ben, nous, on était là « Non, vous n'êtes pas au milieu du lac, on vous trouve pas. » Et attends, il est au moins assez gros ce bateau, quoi. Ça m'a paru une éternité, mais pendant 5-10 minutes, le drone ne trouvait pas le bateau sur le lac. Par chance, vraiment, parce qu'on n'avait qu'une seule prise pour ça, arrive le drone et peut faire des passages. Merci beaucoup. Alors, je vais où? Pour me changer. Pour aussi. Joséphine, là. Ici. Tout le monde en face. Está tornado. Et action. Moi, j'ai rien senti, mais apparemment, le bouginet a ramassé. Je vois. Stressé d'un côté, puis tranquille d'un autre, il nous reste plus qu'une selle à tourner. Franchement, je m'éclate. C'est une patate toute fripée, quoi, qui vit pas à l'instant. Tu vis pas à l'instant. T'es juste tendu, y a plus de caractère, y a plus rien, c'est hyper plat. Tu t'en rends compte toi-même. T'es bloqué par tes propres démons, donc tu peux pas jouer. Comme ça, on peut pas tourner. Ouais, je pense une des plus grosses angoisses dans le domaine des répétitions, c'était ce mercredi-là où on était là. Ok. Est-ce qu'on va avoir une scène du train demain? On ne serait pas arrivé jusqu'ici si j'avais déjà pas confiance en toi. Donc ne reporte rien sur les autres. C'est toi, à l'intérieur de toi, qui dois trouver la solution. Puis le moment où vous regardez la fin de répétition, vous me dites, bon, après, c'est bien, dans à peu près 8 heures, on est en train de tourner. Donc tu dois trouver en toi la force de dépasser sa pointe, de dépasser sa fierté intérieure, de dépasser tous ces démons que tu as, de leur foutre des coups de pied au cul, et puis d'y aller. Ah, mais tu dors... Presse pas, enfin t'essayes de dormir, et puis après tu te lèves, et puis non, j'ai pas envie d'y aller. Je voulais dire à tous ceux que j'aime que... Oui, je suis heureux. Alors là, on va se positionner au premier endroit pour que le drone on puisse faire un premier repérage et envoyer le train. À 11h30, on était très en retard.
très très en retard sur le planning. Les mécanos qui devaient remettre du charbon ou de l'eau, un autre train qui devait passer finalement sur la ligne sans qu'on sache. Vous êtes où, vous attendez quoi en fait? On est à Chambly, on attend le passage du train qui va redescendre. On va shooter à trois caméras directes. On fait quand même le deuxième trajet, j'ai bien compris. Prévoyons deux trajets. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que les acteurs doivent être bons, parfaits, tout de suite, leur approche. C'est qu'une seule prise. Vraiment la scène qu'on avait le moins répétée. Le texte était aussi assez fragile. Minecraft a fait jouer de ses contacts et nous vous avons retrouvé. Voilà, donc la liste des courses, elle est bien dite. On enchaîne. Et c'est vrai que ben, le bruitage de texte, c'est pas trop permis. Moteur, ça tourne. Lève le clap. Voilà. Clap, ça tourne. Scène 5, plan A, prise 2. Maintenant, Chirac. Il a fallu tourner à la fois simultanément l'avant du train, donc le départ, et l'arrière où on voit Irène qui a sauté du train. Et encore une autre caméra, donc du making-of, qui était à l'intérieur du wagon. Je multiplie par 1000 votre cachet. Ouais. On dirait qu'on venait avec Gary 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 sans ta cam là. Et on a terminé la dernière scène quasiment de nuit, mais on ne voit pas parce qu'on a prévu en fin de compte d'arriver à l'intérieur. On a trouvé quelqu'un qui était disposé à nous prêter une voiture, une Ford T-1914, qui, pour la petite histoire, est la voiture que le Dr Watson utilise dans le dernier roman écrit par Sir Arthur Conan Doyle pour aller chercher Sherlock Holmes. Une voiture qui, pendant 20 ans, marche sans problème, ce jour-là, fonctionne pas. 20 minutes se sont passées. Une demi-heure s'est passée. Trois quarts d'heure sont passés. Et une heure s'est passée. Là, c'est le moment où je commence à stresser parce que le planning commence gentiment à prendre très sérieusement cher. Alors écoute, c'est le deuxième ennui de la journée, donc après la voiture, c'est le champ. Donc on va pouvoir tourner, mais ailleurs. Le paysan est arrivé et a dit « Vous me descendez ce machin, sinon je vais chercher la carabine et je tire sur le drone. » Donc on était là, oui, ok, je pense que là on va bouger. On réussit à trouver un accord, on réussit à prendre un autre cadre sur un chemin, et puis évidemment avec le drone. Du grand Hollywood, ce qu'on appelle un trafic dans le coffre d'une voiture. Il a juste fallu que Yves et Gaëtan repèrent les endroits où ils voulaient finalement tourner, parce qu'il y a un côté très artistique dans ce tournage, c'est qu'on filme mais on ne sait pas exactement où. On verra quel mur a la faveur du chef opérateur et du réalisateur. Mais là, ce qui pourrait être vraiment cool, c'est si on en suit un, les deux autres vont se passer en mode éventail, tu vois, ils vont chacun regarder. On a dû le faire pas mal de fois pour que les acteurs soient picobello dans le cadre, à l'endroit qu'on voulait. Donc c'était une belle chorégraphie qui s'est faite sur le moment. Moi, ce que je ferais, c'est qu'on les laisse monter à bout. Et puis on a Roberto en profil qui est juste comme ça. Qui rentre dans le truc. Et qui rentre dans le truc avec le flingue. Dernier tournage, sixième tournage. Nous partons en France, à Baume-les-Messieurs, pour la scène finale de Holmes, qui représente en fait les chutes de Reichenbach et la chute de Holmes et Moriarty. Arrivé là-bas, il n'y avait pas d'eau. Mais du tout, c'est du jamais vu. Donc là, c'était vraiment, en fin de compte, le désert total. Voilà.
c'est notre cascade. Voilà. Donc là, évidemment, bon, l'équipe se pose quand même des questions, ce qui est tout à fait normal, sur la véracité de tourner là-bas. On a pu réfléchir un petit peu à un plan de secours, mais ce plan de secours, moi, il me faisait complètement peur. Et le lendemain, le tournage commence. En fait, les deux acteurs principaux, qui sont aussi nos deux chefs opérateurs, ils étaient devant la caméra pour cette scène finale de Sherlock Holmes. Du coup, il n'y en avait plus de chef opérateur. Alors, il a fallu trouver quelqu'un et puis je me suis porté volontaire. Il fallait être concentré dans sa bulle pour être déjà au taquet du rôle, au taquet de la choré, pas envoyer un point dans la gueule de l'autre comédien et au taquet de juste pas passer les deux en bas pour de vrai dans la falaise. Aux répétitions, c'était ce truc de « les gars, ça va être la guerre ». Alors, si vous n'arrivez pas à refaire le combat 15 fois d'affilée, vous n'allez pas réussir à tenir cette journée de tournage. Quand les gens se préparaient, d'entendre la technique, d'entendre les gens qui marchaient dans tous les sens, et puis les raccords maquillage, les gens qui venaient corriger mon costume, etc., je me sentais mais tellement boosté, j'étais en transe. Exceptionnel. Le public a été là, les acteurs ont vraiment, ils ont été dans les personnages, ça a été l'extase artistique. Je crois que réellement on a touché Holmes et on a touché de manière la plus spectaculaire qui puisse exister. Après le pourquoi on le fait, c'est juste trop bien, parce qu'on est juste des tarés et parce qu'il n'y a personne qui fait ça. On fait pas ça pour l'argent, on fait pas ça pour la gloire, parce qu'on n'est pas tellement connu, mais ouais, c'est juste pour le fait de pour faire quelque chose et puis de le partager au public, parce que le seul salaire qu'on a, c'est finalement les applaudissements à la fin des pièces. Et le fait que ça soit tellement éphémère, tellement unique, qu'on a envie de recommencer chaque année pour arriver à ça, à ces moments magiques. C'est un peu comme une drogue au final. Moi, j'ai appris le théâtre, et je crois que c'est pour la plupart le cas également, avec un type formidable qui s'appelle Yves Loutan. Et qui nous a toujours appris à non seulement apprécier les moments, mais donner le meilleur de nous-mêmes. Et qui nous a donné le goût des choses faites pleinement. De A à Z, je vais lui faire confiance parce que il a une idée en tête. L'idée, on ne la sait pas, on ne la voit pas. Des fois, on se dit, c'est quoi l'idée? Mais au final, tu sais que ce que tu proposeras au public, les gens, ils vont sortir avec des étoiles dans les yeux. On ne veut pas laisser tomber les autres aussi, qui donnent beaucoup. Et du coup, on s'entraîne, à mon avis, dans un méli-mélo d'énergie qui nous pousse toujours à aller plus loin. C'était une année de folie. Et je dis pas ça parce que je jouais Momo, hein, mais c'était une année de folie totale. J'ai eu une grand-maman qui est venue vers moi et qui m'a dit hein, « Toi, j'avais envie de te frapper tout le temps !» Et t'es là, bah, moi j'ai réussi mon boulot, quoi. c'est que ça a marché. Ah, mais c'était incroyable. J'avais toujours le cœur qui battait 200 à l'heure quand j'étais en coulisses et je regardais ces images. C'est juste génial. À chaque fois que j'entendais Watson qui criait « Non !» sur l'écran, j'étais juste derrière l'écran et puis j'avais des frissons à chaque fois. Alors quand on dit qu'on verse son sang pour le théâtre amateur, c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'espère qu'on continuera à vivre ce rêve tous ensemble et puis ouais, qu'on n'oublie jamais de rêver et d'être des enfants dans nos cœurs. Je ne peux que être heureux de tout ce qu'on a vécu ensemble, de tout ce qu'on a réussi à accomplir. C'est absolument extraordinaire. Ou nous aider pour arrêter Moriarty. Tata. Je l'aime bien ce garçon. Et c'est pas une question d'ego, c'est pas une question de compliment ou du fait qu'on vient nous serrer la main à la fin. C'est juste de pouvoir, pendant qu'on est sur scène, se rendre compte que le public est avec nous et qu'il n'est pas avec nous parce que c'est nos parents, nos amis ou autre, mais qu'il est réellement entré dans l'histoire. Parce qu'on a fait en sorte que ce qui se passe ici, sur scène, soit un instant, une bulle à laquelle on a tout donné.